propriété du Conservatoire du Littoral. Le site a fait l'objet en 2018 de deux campagnes de travaux. Lors de la première campagne, les travaux se sont concentrés sur la finition des travaux commencés en 2016. D'abord, l'équipe de l'association CHAM a poncé le fond des bassins, puis posé et étanchéifié des murets en pierre de basalte. Ils ont ensuite remplacé les dallettes en basalte du kiosque de visite, ainsi que celles qui matérialisent les cheminements piétons autour des bâtiments. La deuxième campagne a porté sur la restauration de l'ensemble des façades du musée du sel. En effet, des remontées capillaires ont dégradé les enduits et les badigeons. Ceux-ci ont donc été complètement restaurés par les agents.